Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de crevettes au curry et lait de coco. Pour réaliser cette recette, 400 g de crevettes entières, il vous faudra 20 cl de lait de coco, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à soupe de curry, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail, un petit oignon, sel, poivre. Première étape, on va décortiquer les crevettes. Donc on prend une crevette, on va couper la tête directement au couteau. Ensuite, on va retirer les segments de la carapace. Donc on voit, ça se fait relativement bien. Donc on les retire un par un comme ça et on retire également les petites pattes. Voilà, la crevette est décortiquée, on va retirer l'intestin. Donc pour ce faire, on prend un couteau, on va inciser le dessus sur le dos comme ça, on écarte légèrement donc l'incision, on voit l'intestin, on le attrape avec le couteau, on tire et on le retire. Pour terminer, on retire la queue, rien de plus simple, on tient la crevette, on tire et voilà, c'est fait. Les crevettes sont décortiquées, on va pouvoir passer à la cuisson. Là, ce sont les déchets, je vais pouvoir en faire un fumet. Dans une sauteuse à fond épais, je vais mettre la moitié de l'huile d'olive et je vais la faire monter en température. Lorsque l'huile est bien chaude, j'y mets les crevettes. Je n'hésite pas à les répartir dans la poêle pour une cuisson uniforme. À ce stade, j'assaisonne avec quelques tours de moulin de poivre et bien sûr un petit peu de sel. La cuisson est très rapide, au bout d'une à deux minutes, je retourne les crevettes pour les faire cuire de l'autre côté. Environ 3 minutes se sont écoulées, elles sont cuites, je les retire et je les réserve sur une assiette. Dans la même casserole, je mets l'huile restante et je la fais monter en température. Lorsque l'huile est chaude, j'y mets l'oignon que j'ai émincé finement. Je vais laisser cuire l'oignon à petit feu pendant quelques minutes en le tournant régulièrement. Lorsque les oignons sont translucides, je vais rajouter la gousse d'ail. La gousse d'ail, je l'ai hachée finement, je la mets directement dans la poêle et là je vais faire cuire 30 secondes, pas plus, juste le temps que l'ail libère ses bons arômes. Au bout de 30 secondes, j'ajoute le lait de coco. Je le verse directement sur les oignons et à l'aide d'une cuillère en bois, je vais déglacer ma poêle en grattant les sucs sur le fond de la poêle. À présent, je vais rajouter les épices. Je commence par le gingembre, ensuite je mets le curry et là, avec la cuillère en bois, je vais mélanger soigneusement et je vais laisser prendre l'ébullition pendant quelques instants. Bien sûr, je n'oublie pas de mettre quelques tours de moulin de poivre et de salé, bien entendu. Lorsque l'ébullition a repris, je vais remettre les crevettes ainsi que le jus de cuisson. Et là, avec la cuillère en bois, je vais mélanger vraiment soigneusement de façon à les enrober de la sauce. Lorsque les crevettes sont bien enrobées, on va poursuivre la cuisson à couvert. Donc je mets un couvercle pendant environ 2 minutes. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez les assiettes comme elles sont sympas. J'ai mis les crevettes, bien de la sauce, quelques petits points de sauce sur le tour de l'assiette pour la déco et bien sûr en accompagnement du riz parfumé. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao !